بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. Alors, les signes de l'amour du serviteur, on va continuer avec ça, d'accord? En fait, c'est une poésie. ومن الدلائل أن تراه مشمرا في خرقتين على شطوط الساحل. Je passe peut-être, Samira, si tu peux voir, peut-être il y a, j'ai dit il y a une place, peut-être une sœur veut assister ou un frère. Alors, l'amant se reconnaît n'emportant qu'Oripo sur la rive, il se tient prêt à braver les flots. Alors, ومن الدليل أن تراه مشمرا. Alors, si il y a une place libre pour la prière. Ou... Ouais. C'était juste un frère qui passait. Ah, d'accord. Alors, l'amant se reconnaît, n'emportant qu'Oripo sur la rive, il se tient prêt à braver les flots. ومن الدليل أن تراه مشمرا. مشمر ربما على ملابسه. في خرقتين على شطوط الساحل. إيش معنى ما معنى هنا؟ ça veut dire quoi ici? Ça c'est les signes de celui qui aime Allah Azza wa Jal. خرقتين يعني لبس juste ce qui cache sa nudité, c'est tout. L'amant se reconnaît n'emportant qu'oripo. Qu'oripo, je pense que le vraiment l'essentiel. L'essentiel. Sur la rive, il se tient prêt à braver les flots. C'est le fait qu'il n'est pas, chargé d'habits, qu'il est prêt. Voilà, il n'est pas chargé. Il n'est pas attaché à la vie d'ici-bas. Ça, c'est parmi les signes de celui qui aime Allah Azza wa Jalla. C'est le détachement. Le minimum. Oui. Il y a qanoua. Ouais. Il a le minimum. Non? D'accord. Voilà, ça, c'est parmi aussi les signes. ومن الدلائل حزنه ونحيبه جوف الظلام فلا فما له من عاذل. Sous l'ombre vespérale, il gémit son ardeur, si bien qu'il ne craint point les blâmes des censeurs. Alors, quel est le signe ici? Je répète. Au milieu de là, il est husnuhu wa nahibu. Un nahib, c'est vraiment pleurer à sanglots, vraiment avec très très amer, une tristesse très amère, très profonde. Jawfat valami, donc l'ayl, d'accord. Fama lahu min aadili. Ça, c'est comment vous voyez ce signe? Ça veut dire quoi? Le premier, c'était quoi? Détachement de la vie. Deuxième, il pleure la nuit. Il est triste. Il pleure la nuit et il est triste. Ça, c'est on trouve hein, dans la relation humaine. D'accord? Entre l'amant et sa bien-aimée, hein, on peut trouver ça. La même chose avec Allah Azza wa Jalla, mais pour Allah, l'exemple, c'est bien. Donc pleurer, c'est dans le sens je suis loin, j'ai fait des péchés, je ne suis pas à l'auteur, d'accord? Ça c'est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jalla. ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل. Alors, résolu, il est prompt à s'engager au front, soit d'un combat armé, soit d'une belle action. La notion du jihad, c'est quoi le jihad en islam? Le combat. Le combat, en général. C'est l'effort, ça vient du mot effort. Le mot jihad, min al-jahd. D'accord? C'est faire un effort pour acquérir
une vertu ou bien un bienfait ou quelque chose de noble. Il faut faire un effort pour arriver. Pour arriver à quelque chose de noble. D'accord ? C'est ça le jihad. Le combat armé, ça c'est une forme parmi des plusieurs. Mais le grand jihad, c'est le jihad de l'âme, l'éducation de l'âme. Ça c'est le grand jihad. Parce que les constants. Alors, ça aussi, c'est parmi les signes de celui qui aime Allah Azza wa Jalla. Il entame le combat spirituel. Alors, on a dit, le premier, le détachement, entre guillemets, se lever la nuit et pleurer entre les mains de Dieu. Donc, la nuit, d'accord. Troisième, c'est l'effort. Il est toujours en voyage. D'accord ? C'est un voyageur. On peut dire voyageur. Donc, chaque fois, il fait plus d'un effort pour aller plus loin. D'accord ? Il veut avancer, il veut satisfaire son bien-aimé. C'est comme si on voit une lumière, on veut y arriver. Ouais. Une fois que tu es arrivé, tu veux encore aller plus. Encore plus loin. ومن الدلائل زهده فيما يرى من دار ذل والنعيم الزائل. Alors là, ça c'est l'ascétisme, hein, ou l'ascèse, la vie d'ascèse. C'est le détachement ici, c'est mentionné. Le premier, j'avais des doutes. C'est se sentir étranger. C'est comme un fou qui porte deux habits comme ça. Il est au bord des rivières en train de marcher. Donc, comme s'il a perdu la raison. Il marche tout seul, il vit tout seul, comme les animaux, tout ça, d'accord ? Ça, c'est... il est étranger. Hein? Alors, ce n'est pas le détachement. Non, ce n'est pas le détachement. Parce que là, c'est le détachement. Alors, comment on pourrait expliquer le premier point ? Il est différent des autres. Celui qui aime Allah, Azza wa Jalla... Différent. On voit qu'il est différent des autres. Il a des signes distinctifs. En arabe, on pourrait la dire comment, le premier point. Gharib. Gharib ala al-akharin. Gharib ala... Wahdoum sayyib, yani... Comme un... Même, donc,